Bonjour à tous. Donc je suis la directrice de l'école Anoura. Donc vous voyez les classes derrière moi. Donc je suis la responsable un peu sur le lieu de tout ce qui se passe ici, du travail. Et vraiment, je m'occupe un peu de tout. Donc je m'appelle Madame Mohamed Hadiza. Et je suis ici depuis 2 ans et j'essaie de faire de mon mieux pour que tout marche ici. L'école Anoura accueille les enfants du quartier. Et le quartier, c'est un quartier très pauvre. L'école compte 143 enfants. Et parmi ces 143 enfants, on a peut-être seulement 10 enfants qui viennent de familles aisées. Tout le reste vient des familles très pauvres. Ici, au Niger, les parents sont intéressés par les écoles mission parce qu'ils disent que les chrétiens font du bon travail. Et on est en train de montrer qu'ici, on fait du bon travail. On a les encouragements des parents, donc ça nous donne encore la force de continuer. L'école s'appelle Anoura. C'est dans une de nos langues d'ici. En fait, ça veut dire la lumière. Et nous voudrons que cette école soit la lumière dans ce quartier. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent dans cette école qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et dans cette école, ils entendent parler de Jésus. Nous sommes la lumière. Et nous faisons tout pour que l'école soit la lumière dans ce quartier. Donc les 3 classes qui sont juste derrière moi ont été construites l'année passée. Donc c'était une joie pour les enfants de pouvoir remplacer les classes parentes par des classes en matériaux définitifs. Mais comme vous voyez, ce n'est pas encore fini. On veut construire en hauteur pour avoir 3 classes de plus et puis agrandir l'effectif de l'école. Donc s'il y a des bonnes volontés, ceux qui peuvent bien aider, je pense qu'on peut construire. Avec Dieu, tout est possible. Donc on compte sur vous. Merci.